Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4. On est toujours avec l'Ethiopie, ça se termine doucement. On était en train de préparer une guerre contre notre ami espagnol. Et je crois que on va y aller limite tout de suite. On a envoyé un diplomate s'amuser, donc pour l'instant c'est pas pièce. Alors attention, il y a des armées qui se baladent quand même. Ici on a une armée espagnole à 49k. Il est tech 23, nous on est tech 25. Ah d'accord, très bien, donc on a quand même un gros avantage. Du coup on va préparer un général dans le coin. Alors, on a un général ici qui est prêt avec beaucoup de manœuvres pour essayer de traverser le plus vite possible, même si je pense pas qu'il pourra. Ici, on a un général pour s'occuper en speed de tout ça, et ici, on va peut-être prendre notre général 2 étoiles là, parce qu'il y a quand même un 3 étoiles en face. Ici, on va prendre le mec suffisant. Voilà. Et quand est-ce que c'est? Le 9 novembre. Très bien. Donc ici, il s'est stacké. C'est parfait, ça me va. Toi, tu vas venir là. Lui, pendant ce temps-là, il se rapproche. On va attendre que ces 49k voilà, soient loqués. Et c'est parti pour une petite guerre avec notre ami. Alors, la Suisse va venir. On s'en fout un peu. Les états pontificaux ne viendront pas, U et Garanis viendront, ici beaucoup trop de dettes, et ici c'est beaucoup trop loin. Donc prendre la capitale on oublie, c'est une idée de merde, on va donc se contenter de prendre Tlemcen. Et c'est parti, hop, donc là on l'intercepte, ici bon on peut déjà pas passer, donc ça commence bien. Non, toi tu vas là, toi tu vas sur Tlemcen. Ici, on va aller en speed choper ces deux cas qui se baladent. Et ici, on est parti du coup pour s'emparer de tout ça. Ah oui, alors il faudra que je demande au Portugal un accès. Est-ce qu'il me le lâcherait l'accès ? Il ne le lâcherait pas, mais pas de beaucoup, donc peut-être moyen. Sinon on ira par bateau. Alors. Alors ici, il nous a mis une grosse baffe, plus grosse que prévu. On a des renforts qui arrivent. Voilà, ça devrait aller mieux. Ici, je pense que ça devrait venir assez vite. Bon là, il a sorti des bateaux pour nous empêcher de passer, pas de miracle, Ici, la vache, il a été beaucoup plus violent que ce que je pensais. Donc ici, il faut qu'on surveille, mais ouais, j'ai l'impression qu'avec ces bateaux, il fait pas de miracle. Alors, on a une rébellion qui a popé juste ici, d'accord, très très bien. Et bien comme ça, c'est fait. Toi, normalement, là, il devrait pas y avoir trop besoin. Tu vas revenir par ici. Donc les deux cas là, ils s'en vont par là-bas, on va courir après. Alors ici, ici il nous faut un général parce que ça va être la violence. Donc là on est en train de faire le siège, on peut pas bouger. On va renforcer. Qui c'est qui arrive en premier? Le 13 janvier, le 18 janvier. Donc toi tu prends le général. Oui, donc là, ça a été géré sans trop de problèmes. Alors du coup, on va effectivement y aller avec nos bateaux. Ah non, tiens, le Portugal a fait ce qu'il fallait. Très très bien. Pas de soucis. Il a filé ses accès à la Castille, j'imagine, enfin à l'Espagne. Presque dommage qu'il n'y ait pas un bout de détroit là. Ici, on s'empare de ça. Alors là c'est le stack quoi, il peut pas encore, ça va venir. Ah oui non putain, je me disais il y a deux armées mais non, elles sont pas fusionnées, autant pour moi. On peut pas y aller là, non, on peut pas y aller, donc c'est pas grave, lui il va faire le taf pour le terminer je pense, avec le moral qu'ils ont. Ah c'est difficile hein. Élevage sélectif en Valaquie, on s'en fout. Allez. Ok, ça se fait doucement.
Il y a un moment, on va bien réussir le stack wipe, hein, cet enfoiré. Hop, c'est parti, on lui laisse pas de répit. Merde, j'ai bougé l'armée qui est en train de faire le siège, c'est ça que vous me dites là? Putain, quel con. Oh là là, le drame. Misclic de ma part là, très clairement. Alors ici, ça se passe comment? Normalement, il a pas d'armée, hein, il doit avoir qu'un truc tout bidon. On va sortir la flotte pour s'occuper des 2-3 bateaux qui traînent. Genre eux là. Vous, j'ai envie de dire, vous allez revenir par là, on vous enverra genre sur une petite île à droite à gauche. Là-bas, ça se passe comment? L'Austrapienne est dans la place. C'est plutôt cool. Donc l'objectif hein, de cette guerre, c'est de prendre tout ce qui est en Australie qui nous appartient légitimement. Prendre le cap. Et puis bah, éventuellement prendre des trucs là, mais bon là clairement on va pas se mentir, ça va être plus difficile. Putain il résiste, c'est con, c'est ouf. Recruter un ministre, on s'en fout. Ok, bon alors du coup vu qu'on a merdé avec le fort, tout le monde s'est barré. Fait chier. Là on les malmène, mais bon. Au bout d'un moment ils vont finir par tomber, hein. Cette fois on est partout, donc ils vont être obligés de crever ou de se replier sur nous. Alors, ici ils ramènent du bateau, donc pour l'instant on ne peut pas passer. Alors ici il faut qu'on se scinde en plein de petits morceaux par contre. Hop, toi tu vas là-bas. Toi tu vas bah, ici, ouais, par exemple. Toi tu te scindes, tu vas prendre le cap. Toi tu vas prendre ce truc. Et moins d'aller là. Toi tu vas prendre ça. Tu te scindes en deux s'il te plaît. Toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici, voilà. Ça sera déjà pas mal. Alors ici, ouh, il y a une belle flotte qui arrive là. Il faut rentrer au port. 8 vaisseaux lourds, 22 vaisseaux de transport. On va aller se planquer. Les Indes occidentales, hein, qui mine de rien ont un bon niveau. Alors ici, on n'a pas réussi à le choper. On va donc le choper là. C'est quoi comme terrain? C'est des collines. On va envoyer du renfort. 19 août et 7 août, ok, parfait. En général 3 étoiles hein, qui fait très très mal. Hein. Le gouvernement doit se stabiliser. Oui, on peut perdre quelques points, c'est pas gênant. Alors, on les a toujours pas stackway, putain. Ça nous coûte déjà une fortune cette histoire. Alors, de l'autre côté, on a la Suisse aussi, hein, qu'il faut pas oublier. Est-ce qu'on a moyen d'aller jusqu'en Suisse? Non, pour l'instant, non. Là, on va, je pense, se débarrasser de cette armée, enfin. Un commandant nous a quittés. Ok. Je sais pas c'est lequel. Il se replie là. Très bien, on va envoyer au cas où la petite armée. Même si je pense que ça devrait le faire. Plus que 5000, il y a peut-être un moment où... Voilà. Ok, le stack wipe est consommé. Parfait. Alors du coup, on va aller poser une armée à Fès et on va rester dans le coin, voir un peu ce qu'on pourrait faire. Sinon, il y avait eux là. On va aller s'en débarrasser en speed. Ici. Ici, ici. On va aller là. On est encore en train de se déplacer tant bien que mal. Pour explorer les terrains. Donc Espagne occupe des trucs, hein, c'est là, mais on va s'en occuper. On va prendre un général ici. Toi,
Est-ce qu'on pourrait pas demander un général à quelqu'un, un conquistador, bof. On verra si on en a besoin. Bon, on perd beaucoup trop de sous, hein, très clairement, mais tant pis, c'est la vie. Toi, va là plutôt. Toi, tu vas ici. Alors, une bataille, hein, où ça? Ici, très bien. Perdu le casus belli, protection du commerce contre le Ming, on s'en tamponne. Ouais, ici, je pense qu'il va jamais nous laisser passer. Hein. Il y a, à mon avis, aucun moyen. Ce serait en même temps une grosse boulette de sa part. Alors, administration efficace, hein, plus d'impôts et moins de corruption. Ben, c'est parfait. Ça nous repasse dans le positif du coup. Alors, l'indépendance des Ottomans. Oula. Ça pique ça. C'est dans ce coin-là, j'imagine. Ouais, c'est tout là. Toi, tu vas à Alep. Toi, tu peux toujours pas aller en Suisse. Non. Du coup, tu vas aller de ce côté-là déjà. L'institution, on peut toujours pas la prendre, putain, c'est relou. C'est relou, mais bon, on fera avec. On a pris la tech militaire, hein, donc ça fait le taf déjà. Alors, ici, on a nos 9000 hommes, on va aller les poser là-bas. Vous allez commencer doucement à vous replier. Parce que j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de gérer de la rébellion. Quelque chose de sympa. Vous voulez vraiment pas bouger, si ça y est. Hop, go. Les nobles perdent encore en influence. Alors ça c'est un peu chiant, hein. J'aimerais bien qu'ils aient plus d'influence. On va reprendre un coup comme ça. Et puis bah écoutez, on va recruter un conquistador. Ça fera toujours un général de gratos de plus. Alors ici, vous vous embarquez et vous allez vous poser par là. Donc il y a la flotte austrapienne qui fait le taf. Plus fertile à Madagascar, très très bien. Vous, là-haut, vous bougez pas, j'ai l'impression. Oh, putain. C'est un peu le bordel là. Alors, des séparatistes ici, ok, ils se sont soulevés là, très bien. Ça c'est fait. Alors, du coup, notre ami conquistador, oh, qui est plutôt pas dégueu. Hein. Demi-tour, toi. On va s'en occuper à la main. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud de passer ici. Alors après, on pourrait gagner plus de points. Où ça? Ah merde, ils se sont fait défoncer ici. L'Austrapienne s'est fait défoncer. Il va falloir qu'on y aille. Bon bah, on va envoyer quelques hommes là-bas du coup. D'abord, on prend ça. Tout le monde est en déplacement là. Ouais. Alors ici, on prend eux, on les débarque là. C'est parti. Ah oui, ici on se les a fait. Parfait. Donc vous pouvez retourner là-bas du coup. Vous préparez un éventuel assaut suisse. Non, toujours pas. Bon, ici on protège aussi hein, de notre côté, si jamais il décide de venir faire chier, on sera là pour l'arrêter.
Le prochain point chaud, c'est ici. 54 000 hommes quand même on peut mettre à l'île Maurice, hein, ça déconne pas. Toi t'es en guerre contre l'Espagne, vas-y, fais-toi plaisir. Ici on va ponctionner 16 000 hommes et on va aller libérer l'Austrapienne. Ça devrait largement suffire à mettre à mal. Ah, quoi qu'il a encore 12 000 hommes, hein, l'Austrapienne. Hein. Il devait être dans un endroit que je ne vois pas là. Ok, on a une colonie qui est autosuffisante. Parfait. Il n'y a plus grand chose ici à prendre du coup. On pourrait aller de ce côté là. Renforcer un peu notre compagnie commerciale et c'est parti. Bon bah du coup visiblement elle va pas avoir besoin de moi finalement, donc on va plutôt aller chercher, retourner chercher ses hommes et les envoyer à Asseït. Tierra Ostra occupe Camille Oreille. Ah d'accord, mais oui c'est d'autres mecs qui ont débarqué, c'est même pas que la Tierra Austral, il y a d'autres personnes, les Guaranis. Bon, on verra s'il a besoin de renfort. Pour l'instant, c'est peut-être pas une priorité. La priorité, ce serait de réussir à traverser là, mais ça me paraît assez peu probable. Alors après, on pourrait passer par où? Toi, reviens. Envoyer quelqu'un chez les Ottomans, parce qu'ils font quand même bien chier. Hop, on fait un réseau. C'est parti. Où est-ce que ça gueule? En Géorgie. On va faire un coup de répression implacable parce que ça va bien. Alors, si on voulait passer sans passer par ce détroit, il faudrait qu'on passe par la République des Nations, ce qui nous permettait de nous rapprocher le plus. Ah, encore que... Ouais, il faudrait prendre l'accès militaire sur les Ottomans, c'est mort, je pense. Voilà, donc mettons qu'on passe par la République des Deux Nations. Après, on peut traverser l'Autriche, qui nous donnerait l'accès, Venise, qui nous donnerait l'accès, et on serait en Suisse. Après, on n'aurait plus que la France, et on serait en Espagne. Oh, la France qui est réformée, tiens. On va faire ça. Alors, déjà, la République. On va commencer par ça. Hop. Ah, mais est-ce qu'on est joué? Oh, on n'a aucune liaison avec la République, merde. Ça par contre c'est emmerdant. Les fanatiques fétichistes ou des... Putain sérieux, 43 000 fanatiques fétichistes quoi. Bordel. Go. Bon reprenons, ouais non du coup on est coupé partout en fait par l'Ottoman. Ou alors faudrait passer par lui. Par la Perse et après par lui. Toi tu laisserais l'accès militaire, on va faire ça. Vous commencez à aller par là, hop c'est parti. Ici on n'a pas besoin d'autant d'hommes, on va en prendre 60 000, les envoyer à Kars. On va juste laisser deux armées ici pour empêcher un passage en force. C'est parti. Donc là où visiblement il va nous falloir des gens pour gérer les fétichistes à la con. Fin de la trêve avec les Ottomans, c'est pas bien grave. Vous allez remonter au Caire. Donc là, tu veux pas me laisser passer, on va faire autrement. Ah, les nobles. Ah, on peut appeler quelqu'un. La République des Nations, bah c'est parfait ça. C'est parfait. Appel aux armes. Allez, viens. Ah là on va pouvoir normalement beaucoup plus facilement traverser je pense. Qu'on fasse gaffe aussi qu'ils débarquent pas des troupes hein, quelque part. Bon la République des Deux Nations, ah j'allais dire a une flotte minable mais en fait non. Même avec ses quelques ports là il a quand même une flotte pas dégueu. Alors est-ce qu'il nous a négocié un... il a pu nous négocier un passage quoi. Oh ça c'est beau ça. Demi-tour les gars. Ah on peut passer jusque là quoi. Oh là là la fête. Allons jusqu'en France. C'est parti. Tous en France.
Ça va nous prendre des siècles. Mais là, j'avoue que la République des Nations a très bien joué. Là. Alors avec sa flotte, je pense qu'il va pas faire long feu, mais... ici, on leur saute dessus. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais on est beaucoup plus efficace. Allez, voilà, merci, au revoir. Rendez-vous, du coup. Ici, j'ai complètement oublié de les embarquer, eux. C'est parti, on va là-bas. Oh, t'es en fuite, toi. T'as dû prendre une fessée de ce côté-là, je pense. Ici, ça se passe comment? Alors, on ne voit de nouveau plus l'armée de l'Austrapienne. Mais il a toujours 12 000 hommes, donc elle doit être quelque part là-dedans. Ah, par contre, on a des putains de fanatiques protestants qui se sont soulevés, quoi. Sans déconner. Les catholiques. On dirait que c'est un peu le bordel en Espagne au niveau des religions, hein, pour que les mecs ils profitent comme ça de ce genre d'occasion. Alors ouais, là, là tu vas te faire défoncer. T'as quoi? Oh! On a perdu un maître recruteur. Oh, putain, les casus belli, protection du commerce, c'est vraiment relou. Ici, ah, il peut gagner en plus, hein. Parce que l'autre a des bateaux vraiment de merde en face. Ah, mais il y a des renforts qui arrivent. Il se fait quand même défoncer. Ouh, grosse, grosse bataille, là. Fier de piètre qualité. Bah, fantastique. Ouais, ça commence à devenir tendu. Mais il a amené plein de bateaux, mais... Hein, on a perdu un siège ici. Ah oui, ok, d'accord. Il a amené plein de bateaux, mais c'est des bateaux de merde, quoi. Il est en train de stacker une quantité de bateaux de merde. Et du coup, on peut passer. Non, lui, il va au détroit de Gibraltar. Je disais, il a peut-être lâché le détroit, là. Est-ce qu'il s'arrête? Ah, dommage, il s'arrête. Un pays nous passage nous demande un accès. Oui, vas-y, vas-y. J'avais lu une assistance militaire, je me suis dit, what? Moins 25% du réseau d'espionnage. Alors, on a été détecté hein, en Espagne, mais je le laisse parce que c'est quand même très intéressant. Ah la vache, il se fait tellement défoncer, il se fait couler un bateau par seconde, quoi. Eh, c'est la violence. Est-ce qu'il décide d'abandonner le détroit pour ramener des renforts? Oui, oula. 140 vaisseaux, on va traverser. La Grande-Bretagne connaît son âge d'or. Alors, c'est un peu le bordel là. L'héritier tombe malade. Oh, fait chier. Il ressemble à quoi notre héritier? Oh, il était pas si mal en plus. Alors. 700 ducats pour le soigner. Pouah. Non, bah on va essayer de faire en sorte qu'il vive. Hein. Visiblement, il vit. Ok, très bien. Alors, on est full point. Est-ce qu'il y avait des endroits qu'on développait? On a toujours un développement ici, d'amiettes. Ça pourrait être intéressant à développer. Nos marchands, ils en sont où? On peut pas faire grand-chose avec eux, donc on va développer d'amiettes, du coup. Alors, un peu de points. Bon, c'est du céréal, hein, c'est pas ouf, mais tant pis. Hop, hop. Et hop, voilà. Ça devrait accélérer encore un petit peu dans cette zone, du coup. Alors là, on développera plus, hein. On va remettre l'accroissement de la modernisation ici. Il va falloir qu'on cherche d'autres endroits éventuellement à développer. Peut-être dans le coin ou dans ce coin-là. Là. On peut toujours pas le prendre. On a beaucoup d'emprunts aussi. On peut en rembourser. Hein. On va le faire. Ça va nous mettre un peu à poil au niveau budget, mais c'est pas grave. Ah, il a fait demi-tour avec ses bateaux, mais on a réussi à traverser une flotte. Une armée, pardon. Et ça, c'est cool. Et du coup. Non, il se casse. Il se casse toujours avec ses bateaux. Ah, il veut essayer de renforcer cette bataille navale qui est
Alors j'avoue, je m'attendais à ce que la République de Donation soit à poil niveau naval, mais en fait, bon, il va finir par perdre parce qu'au bout d'un moment, l'autre il amène 200 bateaux. Mais alors, cette bataille de l'enfer, quoi, c'est impressionnant. Bon, là faut que tu te replies par contre. Hein. Elle a quoi l'Espagne? Ah, cela dit, elle a toujours aucun navire lourd, que des navires de transport. Que des navires légers, des navires de transport. Pas de galère, que de la merde. Donc en plus, il y a toujours moyen de gagner, quoi. Ah non, et comment ça? Il a plus que 4 navires lourds et des navires de transport, la République des Donations. Ils ont rejeté l'accès militaire. Est-ce qu'on peut toujours passer? Oula, attention là. Merde, je l'avais pas vu. Prenons toi. Et toi, tu t'arrêtes. Tu passes en marche forcée. Il a peur de nous alors qu'on est que 30 000 quand même. Hein. Ah, il a raison, on dirait. Vache. Ah, les renforts vont arriver. Ah, pute. Non, ah, faut qu'on se replie. Alors toi, tu arrêtes ta marche forcée. On va prendre un mec. Ici. Ok, ici, il s'en occupe. Il a l'air de vouloir revenir en marche forcée, République de Donation. Donc on va peut-être y aller quand même. Au pire, on va perdre. Hein. Merde, défaite. Dommage. Ouah, 109K, ça va être un peu trop violent pour nous, je pense. Hop, on peut s'enfuir. On va s'enfuir avant de se faire stack wipe. Toi, tu te replies où? Tu te replies où? Tu te replies où? Ah, tu te replies juste là. D'accord, très bien. Bah, dans ce cas-là, on va se replier par là. Voilà. Il nous faut quand même plus de troupes. Non, ils sont en train d'arriver tranquillement. Ici, on se regroupe. Ici, on est de nouveau bloqué, malheureusement. Mais la flotte s'en va, donc. Hop, c'est parti, on traverse, les gars. Allez, 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 allez. Ah merde, putain. C'est pas passé loin. Ouais, il est en train de se barrer, la flotte, je pense, pour aller de ce côté-là. Fout un peu la merde. Y a ça aussi de l'Espagne, mais bon. Je me fais un peu chier d'essayer de négocier des accès. Ici, j'ai complètement zappé de les débarquer, débarquer les gars. Alors ici, ça se passe comment? Ah, il va lui falloir du renfort quand même. Hein. Je pense qu'on va prendre ces 9000 hommes-là, on va les envoyer en Austrapienne après. Bon. Ah là, d'accord, ok, très bien, il y va. Oh la vache, la baffe. Ah, il est... Ah merde, on s'est fait tomber dessus par des gens, j'avais pas vu. Bah c'est pas grave. On s'est fait stack wipe une armée ici. C'est pas la mort. On va se concentrer sur ce front du coup. Mais alors là, la violence absolue de... Je suis impressionné. Alors j'ai vu une grosse armée là qui passait. Toi c'est pareil, faut que tu te bouges. C'est impressionnant la violence de la République de Nation là. Tatane qu'aimait quoi. Du coup, il se replie. Ici, on a réussi à débarquer, parfait. Ça, c'est pas des gens qui débarquent, non. Ici, on va se replier juste là, voilà. On reviendra si jamais il y a besoin. Ah merde, ici il y a eu une rébellion. Séparatiste marocain. Alors ici, on va se re-remplir un petit peu avant de repartir, mais je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Ok, ici c'est géré. Vous, vous regroupez. Alors, vous, c'est parti. On embarque et on va en Australie, les gars. Il est temps de voyager un peu. Allez hop,
Il a l'air de galérer un peu, notre chère colonie. On va donc lui filer un coup de main. Alors ici, ça y est, on arrive en force. C'est parti. Ça y est, il a plus envie de se battre. Alors si on jette un œil déjà. Nous on veut tout ça. Ça coûterait combien? 37. Très très bien. Ensuite on veut tout ça. Alors malheureusement ça va être difficile avec les fanatiques. Il va falloir s'en occuper. Donc on va attendre d'avoir amené nos troupes. Et si on veut en plus tout ça... Alors l'idéal, hein, clairement l'idéal, ce serait de prendre ça. Et ce serait possible en plus. Hein. Ah non, on demande Gibraltar sans occuper aucune forteresse. Donc pour l'instant non, c'est pas possible. Ça me paraissait bizarre aussi. Là c'est pas 11-6, hein, c'est 116, attention. Hein. Et lui il y va en montagne. Ah non, c'est des plaines. Ok. Non, il a abandonné son attaque. Par contre, nous on arrive en masse aussi, hein, et bon, on est quand même l'Ethiopie, faut pas non plus déconner. Oh putain, il y a des séparatistes qui se. La populace espagnole qui se soulève juste sous les pieds, quoi, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, ici, toi. Ah oui, merde, je peux pas passer, fais chier. Tu vas pouvoir l'aider, je suis désolé. Tu vas vraiment à deux fois moins nombreux. Voilà, la vache! Cette violence, quoi! Alors attention, parce qu'il va se replier sur moi. Hein. On va garder quelques renforts dans le coin. Bon, il a l'air d'être parti loin. J'ai vu passer des épées fugitivement. On va s'arrêter dans ce coin-là, les gars. Il y a un soulèvement. Les Tchokwe. Les Tchokwe. 106 les Tchokwe. Bordel. Ishini et Canon Shega. C'est ces deux trucs-là? Faudra les convertir et tout pour qu'ils soient un peu plus contents. On va y aller. Ah merde, j'avais pas vu non plus ce débarquement là. Alors du coup, c'est un peu compliqué hein, de gérer des guerres sur des telles échelles. La map est vraiment pas faite pour ça. Il va lui falloir un peu de temps pour reprendre Tlemcen et compagnie. On va donc amener nos renforts, hein, si jamais ça pète. Ici, on est arrivé ou pas? Oui, on est arrivé, parfait. On y va, on va filer un coup de main. Bon, il y a cette bataille-là. Mine de rien, on a gagné, ça fait plaisir, hein, sans général en plus, face à un mec 2 étoiles. On n'est pas si mauvais que ça, comme quoi. Je pense qu'on va quand même essayer de se foutre un général ici si on peut. On en a plus que 2, bordel. Vous, relâchez-moi un général. Voilà, il est pourri, il sera parfait pour tenir. Il est pourri, il a du siège, ce qui est déjà pas mal par rapport à nos généraux habituels, mais... Il a deux de siège, l'a dit lui. Voilà, ici on va s'occuper... d'occuper. Tiens, il y a des pays qui ont été entreprises coloniales. On investit dans la marine, ou on renonce à toute suprématie navale. Donc j'achète pas de bateau de toute façon, on va s'occuper d'eux parce que même s'ils peuvent pas faire le siège, ils font un peu chier le monde quand même. On a terminé le siège de Berne,
On va donc pouvoir aller se poser là et là sur leur capitale. Tranquillement. Alors, Fès, c'est fait. Alors, les fanatiques protestants, ils sont en train de s'amuser toujours. Ici, il va nous falloir un général aussi, je pense. On a beaucoup trop de cavalerie dans cette armée. On va pas pouvoir faire grand chose. Par contre, c'est la fête du slip. Où est l'armée de l'autre là? Ici, il y a du rouge. C'est une flotte ou c'est une armée? C'est une armée. Il y a une armée qui débarque ici. Il débarque où? Tais-toi. Ah, il débarque là. Ok, le siège ici. Attends, on a pris la capitale de la Suisse. Je pense qu'elle va commencer à lâcher l'affaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu avec nos armées. Voilà. Ici, il a arrêté de débarquer, j'ai l'impression. J'aurais dû attendre qu'il soit loqué. Bon, c'est pas grave. Occupons-nous de ce qui se passe en Austrapienne. Ici, il y a du rouge, mais c'est une flotte. Hein. Oui. Ah, là, il y a l'armée de la Terra Austral qui est là, mais on n'est pas vraiment adapté avec cette armée, clairement. Beaucoup trop de cavalerie. Alors là, le risque, c'est qu'on tombe sur l'armée protestante directe. Hein. Alors, la Suisse veut une paix. Très bien, Suisse. On va terminer ce siège et après, on te lâchera une paix. Il faudrait qu'on aille assiéger ce truc-là. Ok, pourquoi pas. Oh, il débarque 50 000 hommes là pour reprendre l'île Maurice. Bah écoute, fais-toi plaisir si t'as envie. Oh là là, la loose, l'armée de populace qui se soulève juste sous l'Austrapienne. Ah, je pense qu'elle a plus rien là. Ouais, il lui reste 3000 hommes. Fais chier. Il va falloir des renforts, sauf que maintenant qu'on a nos copains. Maintenant qu'on a nos amis espagnols qui se baladent dans l'océan, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'on peut recruter chez eux? Oui. Voilà. Vu qu'on a quand même pas mal de blé, on va recruter ce qu'il faut pour gérer dans le coin. Ça fera le taf. Alors ici, il est de nouveau en train de débarquer des gens à Tétouan. Alors cette fois, on va attendre qu'ils soient loqués. Ah, ici, il y a une armée suisse. Ok, il est loqué, on l'intercepte. Le Suisse veut traverser. Alors le Suisse, on va faire une paix avec lui. Une petite paix. Alors, tu nous files tout ce que t'as, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Et des réparations de guerre. Et ça fera quand même déjà quelques armées en moins. Et on va aussi t'imposer l'accès militaire, parce que sinon ça va nous faire chier. Hop là. Voilà. Du coup... Ah, du coup il y a l'Espagne qui traverse là. On va plutôt préférer les choper. Hein. On y sera le 8 juillet et ils y seront un chouïa avant nous. Ah merde. Bon bah tant pis. On va intercepter ceux-là. Ouais, bah, de toute façon ils arrivent avec masse de monde. Il va falloir que soit ils fassent tout le tour, soit qu'ils occupent Fès. Donc de fait on va se replier sur Fès. Une montagne hein, donc
On a un bon bonus. On a un général cette fois. Ils sont quand même très très nombreux. Nos renforts sont encore assez loin. On va voir comment ça se passe. Ici. Alors ici on va poser une armée là. Oh, on a gagné à Fès et notre commandant est avide de gloire. On va retourner se mettre là. Parfait. Alors, l'Austrapienne, ça se passe comment? C'est parce qu'on va retourner chercher nos troupes. Et qu'il va falloir qu'on arrête l'épisode là parce qu'il est beaucoup trop long. Bon, c'est une guerre qui va prendre du temps, hein, on s'y attend un peu. Clairement, elle est pas facile, il y a énormément de terrain à couvrir, donc pas de grosse surprise de ce côté-là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que c'est ce que vous attendiez, une petite tatane de l'Espagne. C'était pas prévu d'être facile, ça l'est pas, donc c'est cool, ça met un peu de challenge, là où l'Ottoman n'avait plus trop le niveau. Dans tous les cas, on va se retrouver très vite pour la suite de cette guerre. J'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit message, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous.